Salut à tous, c'est RetroLove, bienvenue sur RTV. On se retrouve ce soir tous ensemble pour du Smite. Alors, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Alors, un petit casque histoire d'avoir un peu de son quand même. Voilà, bon, bah j'espère que vous ça va. Moi ça va très bien. Je suis content de vous faire un peu de Smite ce soir parce que bah, nous avons. Le jeu a pas mal changé, dans l'aspect en tout cas. Donc, je vais directement me lancer dans la conquête parce que vous allez voir que la map de conquête a changé. Beaucoup changé. Alors, il y a un petit peu à boire et à manger dans les retours des joueurs. Certains trouvent ça très bien, certains trouvent ça dégueulasse, certains n'aiment pas les nouveaux menus, certains. Il y a un petit peu de tout. Alors, moi, en ce qui concerne la nouvelle map de conquête, je la trouve très bien. Déjà, graphiquement, elle est très belle, vous allez voir. Ils ont changé pas mal de choses qui changent beaucoup le déroulement de la partie. Surtout au début, en fait, le buff bleu qu'il y a sur la duo lane a été changé pour être remplacé par un buff de vitesse d'attaque. Les harpies du milieu ont été supprimées lors du début de la partie et elles n'apparaissent qu'au bout des 3 premières minutes. Donc, ce qui fait que ça change pas mal le début de la partie, ça change pas mal les invades que peuvent faire les équipes au début de la partie. La jungle, j'ai l'impression aussi que ça a été pas mal agrandi, il y a des chemins en plus. Enfin, vous allez voir quand on sera dedans. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Enfin, moi j'apprécie en tout cas, c'est clair. Je sais pas si à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez depuis vos premières parties. Voilà, et en plus j'ai le middle, c'est parfait. Voilà, j'avais envie de jouer Hades. Alors après ce nouveau truc, ce nouveau décor bleu là qu'on a dans les menus, moi je suis moins fan. Je trouvais ça plus agréable, plus chaleureux le truc d'avant. Là je trouve que ça fait un peu plus froid. Il se rapproche hein, petit à petit des graphismes un peu sombres et bleutés là que peuvent avoir les League of Legends, Dota. Voilà, je sais pas si je sais pas si. Si c'est bon ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est vrai que autant la refonte graphique de la map de conquête, je la trouve bonne, autant les menus, en plus, je les trouve moins pratiques qu'avant. Je pense aussi c'est qu'on n'est pas habitué plus que pour le côté. Et il voulait m'envoyer au support, le mec. Il voulait m'envoyer au support quoi. Alors Hades au mid, ça se joue. C'est pas ce qu'on voit le plus, hein, mais il y en a. Ça peut être pas mal. Donc Hades, il est intéressant parce qu'il peut se healer. Il a aussi une bonne capacité de déplacement avec son 1 qui lui permet de se téléporter presque, on va dire, là où il le souhaite. Et il a un ulti qui fait quand même pas mal de dégâts et qui en plus est un ulti de contrôle. Donc voilà, c'est plutôt cool, vous allez voir ça. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, ce soir, j'ai un mal de tête. Ça fait très mal, très mal. Alors, je sais pas combien de temps je vais tenir, mais je vais être vaillant. Je vais aller jusqu'au bout. Cet après-midi, donc je me suis un peu entraîné sur la map, j'ai essayé de faire 2-3 parties. Ça s'est plus ou moins bien passé. Et je me rends compte que je tombe beaucoup plus souvent qu'avant avec des teams très déséquilibrés. Je trouvais qu'avant que le matchmaking ait évolué, c'est paradoxal, hein, mais j'avais l'impression de tomber sur des équipes bien mieux construites avant que maintenant. Là, j'ai vraiment l'impression que des fois, il y a des mecs qui savent vraiment, vraiment, vraiment pas jouer. Je me demande même si c'est pas des débutants des fois. Je sais pas si vous avez cette sensation-là ou pas. Mais depuis qu'il y a eu les mises à jour sur le matchmaking, je ne trouve pas ça mieux du tout. Là, avec le temps, c'est vrai que je m'en rends compte. Je trouve qu'avant, j'avais plus tendance à tomber sur. Voilà, il y avait rarement des gars qui étaient vraiment à l'ouest. Et là, de plus en plus, je tombe sur des mecs qui sont à l'ouest. Ou alors, est-ce que c'est moi qui suis tellement à l'ouest qui mettent des mecs de mon niveau? C'est possible, hein? Mais bon. Je vais essayer de rester optimiste en ce qui concerne mon niveau.
Alors en face, nous aurons Scylla. Eh ben, j'ai même pas eu le temps de regarder, c'est bien. Ok, donc c'est bien ça. Tac. Alors là, moi je vais prendre du lifesteal tout de suite. Voilà. Alors, ce qui a changé aussi, et vous le verrez, c'est qu'avant, à chaque fois, vous aviez le speed à gauche et le damage à droite. Là, maintenant, ça a changé. Et donc, maintenant, on va dire que les buffs suivent les lanes. Ah, bah, qu'est-ce que je vous dis? Alors là, je commence direct. Ah, bah non, je suis con. C'est moi qui me suis trompé, en fait. Je vous dis n'importe quoi. Je me suis juste planté de côté. Et donc là, en fait, voilà, vous, quand vous êtes en mid, il va falloir aller faire directement celui-là en premier. Avec donc les. Avec la duo lane. Alors, j'ai même vu des teams qui commençaient comme ça. C'est-à-dire qui commençaient avec les trois petits mobs là, qui montaient là et qui après allaient chercher le bleu pour la duo lane. Mais voilà, logiquement, on commence comme ça, ici. Sais pas ce qu'ils foutent les deux en bas là. Thor et Thanatos, ils sont. Ah, ils sont complètement à l'ouest. Ok, et on est parti. Donc là, vous voyez que les deux harpies au mid, hein, les deux côtés n'ont pas. Ouh, elle va être bien cette partie. Ouh, elle va être bien. J'ai l'impression que je tombe avec des trolls. Des bons trolls des cavernes. C'est vrai que si là, ça peut être emmerdant par contre. Parce qu'elle va attendre que je me TP. Et elle a raison. Wouh! C'était chaud. Il va falloir que je fasse gaffe là. Elle est agressive, la Scylla, dès le départ. Ah, elle me chope à chaque coup. Ok. Je vais récupérer le Fear. Un silence et un Fear, c'est pas mal. Pour l'embêter un peu. Voilà, le silence qui l'a empêché de me jeter. Ces saloperies. Et non, celui-là. Donc là, il va bientôt y avoir les deux harpies dans 30 secondes. Ah, ça commence à faire mal. Alors, est-ce que Scylla a déjà acheté sa beads? Non, toujours pas. Enfin, pas encore, du moins. Ça va pas tarder. Alors, je vais l'aider, le Tana. Oh, il a déjà fini. Oh. Ok, donc là, elle est partie, je sais pas où elle est.
Attention. Il y a le Thor aussi. Ok, Thor s'en va. Ok. Voilà, là je commence à avoir un clean wave qui est quand même propre. Ok, bon, bien. 3-0. Là, la team suit, c'est bien. Que ça continue comme ça, s'il vous plaît. Toujours pas de beat, si là. Ok, donc là j'ai le Thanatos, il n'est pas venu sur Scylla, bon soit. Allez, je vais aller faire le rouge. Logiquement Scylla doit faire la même. Non, Thana! Ah, oh, sérieux quoi. Putain, si ça avait été ça, je serais allé avec les autres quoi. Voilà, donc du coup ils se sont fait pourrir. Ok ouais, donc là c'est, j'ai vraiment un mauvais match-up hein, contre Scylla. Ça va être un problème. Je vais essayer de faire mon mieux pour que ce soit le mieux possible. Wow. Ouh le... Ouh. Oh oui. Oh non. Ah là là, le silence. J'ai cru que ça allait pouvoir me sauver la vie. J'avais pas assez de mana pour lancer mon 1 quoi. Ah, ça c'est vraiment trop con. Allez, c'est pas grave. Alors, est-ce que j'ai une chance qui m'attende? Non. Non. Ah, et tout est fait, putain. J'espère que la partie va pas tourner là. Alors Scylla, toujours pas récupéré de beads. Pas en train de m'a tuer, donc un niveau de plus. Allez Thana. Ah la wardée, là l'info. Ok, on monte un peu l'ulti. Je peux où elle va. Retreat!
Your middle tower. Okay. Ok. Allez. Oui. Ok, nickel. Alors, l'Athéna, elle me vient pas dessus, c'est parfait. Alors, ça, ce sera pas mal. On va finir. Et merde, je me suis trompé. On va warder. Ok, bon. Au moins, le premier gank à gauche a fonctionné. Alors, le stream coupe toutes les deux secondes. Donc ça ne vient pas de chez moi si le stream coupe toutes les deux secondes. Ça peut venir de Twitch aussi, les amis. Donc je suis désolé si vous avez des problèmes pour visionner. Donc j'ai tenté plusieurs fois de vérifier justement si les coupures ne venaient pas de chez moi. Et effectivement, j'ai exactement les mêmes réglages sur plusieurs sites. Et c'est vrai que c'est en passant sur Twitch que j'ai commencé à ramer. Que j'ai streamé. Enfin, ramer, entre guillemets. Hein. C'est vrai que moi, je le sens pas. C'est vous qui le... Ou attention, Tana. Oh. Ah, j'ai pas eu le temps de mettre moins, dommage. Dommage, 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 dommage. Allez, Sobek. Ah oui, bien, 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 bien. Allez! Oh oui! Ah, ce mec, ça fait tellement mal, son ulti, hein. Alors, retourner des ramas. Alors, je sais pas où il est passé. Alors là, s'il est toujours pas là. Allez les gars. Oh le silence, ça a pas suffi. Encore une fois la Scylla qui me chope avec l'ulti. Ok, bon. La Scylla commence à faire bien mal. Est-ce que lui était en solo? Non, j'ai même pas fait attention. Ah ouais, si on a un Thor solo, d'accord. Putain, et je le remarque maintenant, lui, quoi. Bon. La Scylla, de toute façon, ça s'est vu direct qu'elle était bien. Dès le début de la game, quoi.
J'arrive ce bec. Il fait quoi? Et la Scylla qui va, attention. Oh, Scylla, c'est trop chiant, quoi. Ah, vous arrivez après la guerre, les mecs, là. Super. Oh, lui va se faire défoncer. Bon. Ah, oh, mais c'est des bouchers, quoi. Allez, ce mec. Oh là là, non! J'ai plus de mana. Oh, bien joué, ce mec. Ah, j'ai plus de mana. Ah, sérieux, quoi. Allez, c'est gérable encore cette game là. Bien ça. La Scylla, elle se rate jamais. Regardez là, 11-2 quoi. Elle est super bien dans sa game là. Bon. Be right back. Oh non! Non, c'est pas possible. Oh, sérieux, quoi. Ah, j'étais sûr que je pouvais le finir sans l'autre. Ah ouais, bah, il serait finir par Tana. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ouh, c'est dangereux ce qu'il a fait le Thanatos là. Ça devient tendu là quand même, ça devient très très tendu. Plus ça va, plus on prend de la... plus on prend du retard.
An ally has been slain. Allez, Thor. Non. Oh. Oh non. Sérieusement quoi. Pourquoi j'y suis allé? Bon. J'ai vu la petite Scylla avec 2 PV, j'ai pas vraiment pu m'en empêcher. Mais j'avoue que j'aurais pu aussi faire demi-tour après avoir tué Scylla. Mais bon, voilà. J'étais sur ma lancée. Oh. Oh, bien joué ça. Heureusement là ça va, les deux là ils sont bien là sur la duo lane là. Ah. An ally has been slain. Et il y va, il y va, il y va. Non, tu vas pas tout seul. Ouf. Voilà, ouf. Nice job. Watch my back. Attention à la Scylla, elle est fit de la mort là, niveau 19. Allez, 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 allez. Oh, les gars. Putain, là, ils étaient tous bien paqués en plus, hein. Sans déconner. Ah, il est sur défoncé par la ski. Allez, allez, allez. Attention, 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 il a plus de vie. Il te manque un tout petit coup pour te faire buter. Voilà. Putain. Elle va pas mourir. Ah si, c'est bien. Physique. J'hésite vraiment là. Bah si, ce sera du physique. Allez. Bon. Allez. Putain, mais sérieux. Le Thanatos, je sais pas si vous avez vu quand même qu'il m'a engueulé parce que j'ai pris le rouge. Lui doit aller prendre le. Doit aller prendre le bonus de speed si c'est le jungler. Allez. On y retourne. Donc là, j'ai pris de l'armure un petit peu pour avoir un peu d'armure physique et surtout du temps de rechargement. Par contre, le Thanatos, il va falloir qu'il arrête là parce que
il a raison, Lorama. Il joue tout seul, Thanatos. Le pire. Aïe 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 aïe. Your middle tower is under attack. Your middle tower has been destroyed. Dès le début de la game, de toute façon, ils ont commencé à troller donc. Ah! Allez, allez! Ok. Au moins un. Les autres, c'est ça, forcé à back un peu. Ben non, 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 je suis pas d'accord de le tuer là. Force de silence sur Athéna, attention. Ouh. Ok. Bon, enfin un teamfight pas trop mal là. Enfin, ils vont attaquer encore. Non. Doucement. Right back. J'espère que je pense qu'ils sont géants. Ok. Un petit bac. Je vais attendre juste pour ça. Voilà. Prendre une petite ward. Et on sera pas mal. Attention à droite là. Ah si là. Il faut arrêter d'aller la chercher en duel, les gars, vous avez pas compris qu'elle était. Elle était ouf là sur la partie. Ok. Bon. Ça a failli, mais la Scylla, là, elle a pris. Et l'égide. Et elle a son TP. Donc, du coup, c'est vrai que c'est très dur pour moi de la choper. Enfin, en tout cas, avec mon ulti, je me suis résigné à la tuer avec. Ok. Je vais péter les mobs là. Ok. Be right back.
Bon, c'est un peu dommage parce que pour la seule fois où j'ai joué à Death, enfin, une des rares fois où je joue à Death, je tombe. Attention. Watch my back. Seule fois où je joue à Death, je tombe sur la Scylla sur ma lane. Donc c'est vrai que. Allez. Oui. Ah oui, ah, elle est immunisée quand elle fait ça, je savais pas, je pensais qu'on pouvait l'interrompre, mais non, que dalle. Que dalle, on peut pas. Je crois qu'ils l'auront pas. Ok, bon, allez, je suis retourné à la base. Chercher quelques objets. Voilà, ça c'est pas mal. On va prendre celui-là. Voilà, avec ça, je pense que ce sera bien. Prendre un maximum de. Un maximum de puissance. Allez les gars. Oh, Scylla de merde. Ah, elle est ouf, Scylla, là. 18-5, quoi. Oh. Ah, mais j'ai même pas kill. C'est même pas moi qui ai kill, quoi. Oh. Ouh, j'espère que ça va pas être notre dernière. Ouais, non, ils sont que deux. Your middle phoenix is under attack. Si le phoenix du mid tombe, ça risque d'être un petit problème. Ah, le Thanas, c'est bon, il est là. Il n'y en a pas un qui a pris la bide, hein, qui a pris le Braxton, quoi. En général, c'est vrai qu'avec Hades, on a tendance à tous le prendre, et là, il n'y en a pas un seul qui l'a acheté en face, quoi. Tant pis pour eux. Bon, après, c'est vrai qu'il y a la Scylla, elle peut se sortir facilement. Le Thor aussi. De farmer un peu histoire de retrouver le retard qu'on avait sur la Scylla, parce que la Scylla, c'est vrai qu'elle a elle a vraiment été en avance très très tôt dans la partie. Bon, là maintenant ça se sentira un peu moins parce que c'est vrai qu'on a tous évolué quand même. Ok, bon. Attention, à droite là. An ally has been slain.
C'est pas assez réactif quoi, c'est pas assez réactif. Au moment où, où je les chope à chaque fois, ça prend 3 quarts d'heure avant, avant qu'il y ait du DPS dessus. Et là, à mon avis, c'est terminé. C'est terminé. Ah ouais. Pff, le Rama, c'est vrai qu'il était un petit peu limite là. Je pense qu'il a pas fait des très très gros dégâts dans la partie. Et c'est la fin. C'est la fin. Bon, dommage, je suis content. J'ai pas fait une partie trop trop dégueulasse. C'est vrai que on avait une team qui était lente en fait. À réagir lente pour les rotations, lente pour les team fight, lente à comprendre quand est-ce qu'il fallait taper, et donc pas facile quoi. Ça c'est vrai, je fais que perdre en live en ce moment. Faudra que j'arrête de faire du live, je vais faire de la vidéo off. On va voir les dégâts. Oh putain, elle a vraiment fait une partie d'Acilla. Oh là 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 là. Violente de chez violente, quoi. Allez, on va s'en faire une petite deuxième. Ouais, donc vous voyez, ces menus là, je les trouve moins, moins pratiques qu'avant. Menu des dieux, oui, ça va, c'est pas mal. Le truc des skins, du coup, pour le coup, c'est bien, ça va. Ouais, si, ça va, ça va. C'est vrai que. Après, il y a le côté un petit peu plus froid du menu là, tout bleu là. Ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'avoue, j'aime un peu moins. Allez! Allez! Ah, ah non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Bon, bah tant pis, je vais faire du sup alors, parce que je peux pas faire jungler. Super! Super! Oh, bah tiens, je vais me faire un support. Ah, elle a pris la Aphrodite. Merde, je vais faire un support avec Aphrodite. Tant pis, on va y aller comme ça. Et la dernière fois que j'étais support, j'ai gagné la game en, en stream alors. C'est peut-être ma bonne étoile des lives, le support. J'ai peut-être maintenant. Passer des lives à faire du support. Parce que j'ai remarqué que je gagnais souvent au support en live. Alors, Kukulkan, Aphrodite, Artemis, Sylvanus, Thanatos. Ah, Thanatos encore. J'espère qu'il sera bien. J'espère surtout qu'on va pas avoir des trolls. Et en face, nous aurons un Geb. Alors, Geb Rama sur la duo lane, en face de nous. Vulcanomide, Hercule en solo. Et Bakazora en jungler. Oh là, ouais, c'est une team bien opti aussi. Bon, nous, on a Artemis. J'aime Artemis, ça peut faire très très mal. Ah, j'ai jamais vu ce skin d'Artemis, tiens. Bon, alors, du coup, maintenant... Du coup, je sais pas trop... Du coup, je me tâte, là. Hmm.
Okay. Vengeance. Okay. Awesome. Bon. Okay. Hi. Good luck. Hi. Thanks. Je me tâte. Je pense que je vais pas les warder comme un sac comme je faisais avant parce que la map est un peu plus grande. J'ai jamais vu encore les supports jouer sur cette nouvelle map, alors je vais être sage. Voilà. Je vais être bien sage. Je vais mettre ça si jamais quand même on se fait essayer d'invade, au moins on les verra. Hi. Minions have spawned. Ah, le 2 Tyvanus n'attaque plus les sbires, hein, d'accord, ok. Ah, je ne savais pas, j'ai pas lu le patch en fait, le patch note. Ok, bah merci pour dans le chat là. Ah, c'est vrai que c'était un peu pété ce truc là quand même. Ah, du coup, si elle attaque plus des sbires, c'est vrai que. Ah, il y a quasiment plus du tout de clean wave en fait. Ok. Bon. Ok. Alors, est-ce qu'il soigne encore, par contre, les sbires? Normalement, oui. Alors avec Athéna, logiquement, qu'Artémis, pardon, logiquement, il faut, faut être patient, parce que elle devient forte vraiment avec le temps, elle, c'est un vrai ADC pour le coup. D'accord. Donc l'Artémis voulait pas qu'on soit agressif, soit. Ok, donc l'ulti. On va aller faire les Harpyomides. Allez, c'est bien ça. Allez. Ah, dommage. Je retourne à droite. Alors, je sais pas où il est passé le Sobek par contre. Allez, on passe au Sobek, Geb.
been slain. Ok. Your left tower is under attack. Donc le petit route pour éviter à Geb de rentrer dans Artemis. Ah, oh, je suis trop con tout à l'heure au début de la game, j'avais la main de Dieu, j'ai même pas utilisé contre le mob. Je viens seulement de droder maintenant que j'avais. Be right back. Cancel that. Yank left leg. Calm down. Enemy missing left. Stick around. Ok. Allez, RT! Allez! Ah! Bon, eh bien, tant pis. Alors, du coup, je vais récupérer. Allez, il faut prendre ça tout de suite. Alors, il n'y a plus les Midas Boots aussi. Allez, Artemis, c'est le moment là. Il va falloir y aller, s'il te plaît, maintenant. Parce que si t'es pas plus agressif que ça, ça va être perdu. Ok, donc merci dans le chat. Vous me confirmez, ça sonne bien, ça n'attaque pas. Ok. Ah, le pouf, yes. Oh. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mon ulti dans le vent, complètement dans le vent. Ok, on va regarder un peu. Ah, j'ai cru qu'il était route et qu'il allait se décaler, même pas quoi. Ah, je suis deg. Ah, ça aurait été sympa de le prendre sous la tour là. Ah.
Là, il faut me laisser partir. Arte. Ok. Bye. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de contrôle en face? Je vais quand même prendre, je pense. Allez. La souveraineté. Je pense qu'y avoir un petit peu de d'armure sur mes potes, ça va pas trop les énerver. Allez, Tana, ce serait bien que tu décales un peu à droite aussi, là. Et je suis tout seul. Ok. Bon, c'est bien. Ok. Bon. Récupérer un peu de mana dans la zone. Essayer de bouger un peu. You're welcome. Ok, donc là ça se décale à droite les deux. On va y aller avec Artemis. Ah, oh, saleté. Est-ce qu'elle l'a eu Artemis? Oh, elle a même pas eu Gabe. J'en ai marre. Alors. Alors du coup, c'est vrai que ce Sylvanus, s'il attaque plus du tout les mobs avec son 2, je sais pas si s'il va continuer à être joué ce 2. Allez, Cucu. Ok. Oh, il fait tellement mal. Oh là 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 là. Allez, allez, cucu. Mais c'est pas possible! Est-ce qu'on a un de nos alliés qui aimerait à un moment donné taper sur les gars, quoi? J'ai l'impression que dans tous les combats qu'on fait, il n'y a aucun gars qui tape. Ah la vache, quoi! Putain, allez, on se réveille! Sortez-vous le doigt du cul, s'il vous plaît! Allez!
spy with my little eye? I'm on it! Ah, raté. Pareil, on a eu aucun gank, aucun gank de jungler. Oh, merci. Il m'a ramené sous la tour, lui. Allez mes gars, il faut qu'il y en ait un qui vienne à un moment donné quoi, putain. Allez. J'ai peur que ce soit un peu tendu, mais on peut essayer. Qu'est-ce qui m'a fait mal comme ça? Est-ce que c'est la Gold Fury qui m'a envoyé ça dans la gueule? Non. Je n'ose y croire. Je n'ose y penser que c'est elle. Ok, l'Artemis va commencer à faire mal. Ça, c'est bien. Ok, la souveraineté, ça, c'est bon. Je vais prendre la pierre de Gaïa pour une raison simple. C'est que j'ai vu ce que mettait le Vulcan. Et je crois que ça va être bénéfique. Oh, bien, enfin! Allez! Cancel that. Your middle tower is under attack. Be right back. I spy with my little eye. Be careful. Up you go. Allez, QQ. Ok. QQ est à la masse. Tant pis. Alors, Bakazura, attention. Allez, allez. Enemy missing metal. Be careful. Allô, voilà le Vulcan. Oh, bien vu ça. Bien vu, les gars. Enfermez le Bakazura, là. Ok. Ce grab, franchement, j'arrive jamais à le mettre, quoi. Je le trouve tellement lent, quoi. Le moment où vous le lancez, le moment où le machin arrive dessus, quoi.
Enemies incoming! Be careful! An enemy has been slain. Attention à vous! Be careful! Allez! Ah, oh, le Rama! Il va retomber, il va retomber, il va retomber! J'ai plus de mana! Oh! Thanatos qui s'énerve! Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Alors la pierre de Gaïa, ça va être une très très bonne chose. Ok, on reprend du poil de la bête là. Quelques teamfights réussis. Le Thanatos qui devient efficace. Et là, du coup, je pensais qu'il allait venir m'aider l'autre, mais même pas. Alors attention, il y a trois gars. Ok. Allez. Ah! Ok, chase pas. Oh putain, ça m'énerve. Je te mets tous à côté, quoi. Tous mes grappes, ils sont tous partis à gauche, à droite. Ok, on repasse devant. Oh bah qu'est-ce qu'il y a la masse. Your team has destroyed a right enemy tower. Ok, ils back tous. Soit. Be right back. Be right back. Ensuite, je vais récupérer, voilà, la cape. Ce sera parfait. Be right back. We need wards. On va aller à droite là. Je pense que c'est le moment. Il se voit pas tuer tout seul, Arte. Je galère, moi. Je galère. Attention, mid là.
Leur Hercule, il a pas l'air foufou, hein. Attention, à gauche. Ouh. Oh, j'ai encore raté mon graphe. Allez. Non, vous vous barrez. Ok. Les harpies. Attack the Gold Fury. I spy with my little eye. Be careful. Il y a du peuple. Attack! Your left tower is under attack. Defend, left lane. Wait. I beg of you. Attack. Your left tower has been destroyed. Fire. Bon, super. Ouh, attention là. Oh là. Oh, j'ai plus de mana! Comme à chaque combat important. Oh oui! Oh l'enfoiré quoi! Oui, il est vite. Ah, c'est vraiment dommage qu'il fasse plus de dégâts ce truc. Parce que du coup, c'est vrai que le Sylvanus, on pouvait le jouer en solo. Moi, j'aimais bien le jouer en solo, ce dieu là. Et maintenant, ça devient useless en solo en fait. On est vraiment obligé de jouer gardien maintenant quoi. Enfin bon. Ça restera un gardien puissant, ça c'est certain. Parce que c'est quand même un des gardiens. Un gardien qui heal, c'est quand même pas rien. Enemy spotted. A little birdie told me. Enemy spotted. Oh, encore une fois, quoi. Putain. je vais me remettre la vidéo. Et je vais compter le nombre de fois où je l'ai raté. Je pense qu'il y a moyen de rigoler. Rigoler ou pleurer, hein. C'est selon. Ah, dommage. Ah, bien arté.
je suis tout seul. Oh. Allez, 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 allez. Ah oui, bien, il va mourir normalement, le Geb. Pas mal ça. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Oh. Ah, ça c'est super bien joué. L'Aphrodite qui a eu l'intelligence d'attendre le Tana. Aphrodite, elle gère là. Elle gère, elle gère, elle gère, c'est bien. Allez, le géant. Retreat. Wait. No problem. Ah, bah j'ai raté mon 3. Ah, tiens, ça c'est original. Attack fire giant. Allez, si on se fait le géant, tu peux faire du bien là. Ok, allez, RP. Ok. Attention à droite là. Elle est là. Oh, les gardes est à côté. Dommage. Vous voyez mon charisme avec Sylvanus. Moi, je dis un truc, y a personne qui m'écoute. C'est du bon, c'est du bonheur. Allez, le route. Dommage. Pas assez de dégâts là. Oh, c'est pas possible. Ah, dommage, je me suis fait baiser complètement par Hercule. J'ai un peu joué comme un concon là quand même. Faut avouer.
Bon, on a quand même une vraie team de fin de game là avec Artemis et Artemis, QQ et l'Aphrodite là. Trois persos qui sont vraiment très très forts à la fin. Oh là 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 là, les dégâts d'Artemis quoi. C'est tellement sale. Ah, bien joué. Bien joué. Bien joué. Ça partait mal hein, pourtant hein, cette partie. Ça partait très très mal. Bon. Eh bien, ce soir, c'était du 50-50. Vous avez vu ? À chaque fois que je supporte, je gagne les parties. Il va falloir que je continue, je crois, à faire du support. Bon. Comment je retourne au lobby ? Comment je vais au lobby ? On peut pas ? Bah, c'est pas grave. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à jouer avec vous sur, pendant cette belle soirée. Je vous retrouve vendredi pour du Star Wars et le reste, eh bien, je vous mettrai le programme, je pense, à jour vendredi ou samedi. Et d'ici là, portez-vous bien et moi, je vous dis à très bientôt sur RTP. Bye!